commencé? Non, ça a commencé déjà. Ah bon? Bon, moi ça me va, hein, pourquoi pas. Mon cher Yazian. Mon cher Yazian, comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah écoute, pas mal, j'étais en train de faire mon petit quiz pour prévenir de ces finales de Grand Blue Fantasy Versus. Mais visiblement, on ne me laisse pas le temps. Non. Alors on va essayer de commenter et de tweeter en même temps. Bah on est prêt. Pendant que Flo fasse son tweet, moi je vais prendre la main. Lancelot. Avec du coup on a Lick Xolo côté P2 et Zanka qui est en bas côté P1. Zanka qui a l'honneur de nous faire le plaisir de venir sur Anti. Merci à lui. Et Lick qui est partout. Il est dans tous les tops. C'est un génie. Un génie du Versus. Tout à fait. Et c'est mon jumeau au passage. Ah. Voilà. Il s'appelle Florence, ressemble. Il est né le 19 janvier. Comme ah, tout pareil. Mais bon, il a un peu plus de charisme, je crois. Je pense que Lick Xolo a quelques points de plus en charisme. Charisme plus 10. Hein ? Il réagit pas. Non, il est concentré. Hein ? D'accord. Je disais du bien de toi, hein, t'inquiète pas. Mais bon, néanmoins, mon cher, on a un invité de marque, et pas des moindres. On a Zanka qui a fait le déplacement du pari. Alors, du coup, mon joueur Osef, et je soutiens Zanka. Qui a fait le déplacement, les Zankas, cool. C'est parti, Zanka. Ce qui est marrant, c'est que Lick Xolo ne joue plus du tout au jeu. Vous entendez, il joue. Du coup, c'est winner final, du coup, Zanka, Lick Xolo en winner final. Et à vous, chargez juste derrière du Belzé. Avec le 2, le 2 avec un Belzé, le 2 confirmé. Maintenant, c'est le combo de Lick. Fermé dans le coin, c'est parti pour le mix-up. Mix-up devant. Les Reka décalés, oh, il se prend le Reka décalé un petit peu vite, il a voulu se taper dedans. Ah, la dive qui est rentrée là, tu vois. Oh, il a voulu se taper. Ouh, il a voulu se taper. C'est l'arnaque du 1. Et il se prend la furie max de Lancelot. Ça va tuer. Ça va tuer. Premier round pour Lick Xolo. Battle 2, engage. Il a fait point de ce boule là, hein, ce dodge un peu en prévision. Il a ramené Gurley. D'ailleurs, il n'y a pas de poussée pour derrière. Oh la dive. On ne voit rien à la balayette. Parti sur le mix. Oh le low qui rentre. Hey. Le mec il joue plus au jeu, hein. Une fois tous les 3 mois et il lave des gens en grande finale, la base. Allez Zanka, te laisse pas faire. Et c'est reparti. Je fais genre, je vais commencer. Il appuie sur des boutons, ça noie. Oui, oh, mais bien, oui, le projectile. Et ça se passe en garde. Et ça appuie. Projectile, ça se fout au point. Bien, il fait ça. Ça tombe derrière moi. Ah, ce jeu, le petit dragon pour finir le combo. Mais voilà, c'est ça qu'on veut, Zanka. Allez, premier round pour Zanka. Est-ce que Lick Xolo va réagir ou pas? Va-t-il utiliser ses points de charisme? La glissade qui passe, le dragon qui passe. Ça aspire, la garde. Ça peut inspirer cette dive. On trouve l'ouverture. Au point, le mix-up, et hop hop hop, et voilà. Quel perso de merde. Ça fait dit, gratos. Moi je suis président, je dis ce que je veux. Ça, c'est bon. Et la chope qui est trouvée par Zanka.
Dommage, je pense que je suis avec Fury derrière. Il est pas mort, hein. Il est pas mort. Oh, que va-t-il se passer? Oh, ça passe derrière. Mais quel perso de merde. C'est fini, le dragon. Allez, Arthur. Il est pas mort. Oh, bien oh. Mâché. Il est quoi, un partout? Un partout. On joue en deux ou en trois? En deux. Ouais, en deux, allez. On joue en deux. Ah mais cherchez pas hein. Ça fait un an qu'on n'a pas fait un ranking à Lyon. On est tous rouillés totalement à l'arrache. Non? Ouais, ça fait 10 mois, voilà. Y'a Kip qui dit non non ça fait pas un an, ça fait 10 mois. J'ai dit des rankings. Eh bah ouais, les mots ont leur importance hein. Et puis en plus on est en train de parler mais on parle pas du tout du match. Allez c'est parti. Ça ouvre la garde, ça pousse au coin. Bim bam boum, ça vit d'abord, ça mixe. Oh. Ouais. Ok, pas de super derrière. Il essaye de prendre la distance un peu libre. Les boules courses, rien derrière. Heureusement, sinon il aurait pu faire. Ouf, cette taille. Ouf. Oh bien, bien esquivé cette. Piraton. Et balle de match pour le charisme. Monsieur Charisme. Et du coup, Lyon qui peut sauver vraiment une balle de match là. Ils ont peut-être qu'il peut aussi revenir. Bien, c'est pas interrompu. Le tour de Zanka. Bien, c'est celui ça aussi. Ah, ça va faire mal. Hey, hey. Les interlourdes, setup bien, on pourra bien cette headshot, ça il dit reste ici. Il est quelqu'un dans le coin, mais j'ai. Waouh! Allez donc, il y a. C'est bien là, ça sert à rien de te presser. C'est à l'avance. Oula, ça tue. Oh, ça a touché! Ça passe hein! Aucune honte. Côté de Link Excello. C'est des dégâts. La dive. Oh, attention, ça s'est séché la balayette de l'encote. Oh, ça passe derrière. Un mix, ça il peut pas, mais un mix et c'est fini. Hein. Oh non, Zanka qui craque. Oh, Zanka qui craque. Oh non. Oh là là. Oh, c'est triste. C'est dommage. Là. Ouais, là. C'est vraiment très triste. C'est triste. Mais bon. Ah, mais Zanka, tu peux rester assis parce que tu vas affronter l'ami Sayazian en finale loser. Et du coup, j'ai deux micros, trop la classe. Non, mais il y a peut-être bien Link qui va venir s'asseoir à côté de moi. Allez, viens, mon jumeau. Mon cher jumeau. En fait, c'est bien de commenter parce que c'est les gâches les plus confortables de tout le ranking. Hein. On est bien là. Putain, le gars il dit gâche ouais. Comme un vrai lyonnais. Oui, chabe le canapé, il est trop bien mon ami. Ça va Pélo? Tranquille. Il n'y avait pas de mots pour dire tranquille. Après moi je suis pas lyonnais hein, pour le coup, je m'adapte. C'est vrai ouais, je me fonds dans la masse. Ouais bah pareil. Pareil hein. Chambérien, t'as mes keep, respecte-moi un peu. Character select. Il y a une embrouille, il y a une embrouille. Ah là là. Bon allez. Catalina contre Belzebub. Alors, ben jouer Kata je pense oui. Ça joue Kata. Ça joue pas trop les nouveaux persos. J'ai pas vu de Uno, Duel. Bah alors pour le coup Zanka, Uno il a joué un petit moment, mais il est retourné sur ses premiers amours. Uel, il y en a quelques-unes. Comme tu veux. Uel, il y en a quelques-unes en France. Ah Eustace. Ah bah voilà, Eustache. Tu voulais de la nouveauté, tu veux de la nouveauté, tu aimes la nouveauté, tu veux de la fraîcheur. Ouh, Bélial. Bélial. Ah bah voilà, là ça va être parfait pour commenter, je connais aucun des deux persos. Et bah c'est pareil, c'est parfait. Ah nickel. Bah écoute, on va parler de nos vacances. Tu vas où cet été Link? Bah pour l'instant tranquille nulle part. Ah bah la même, super. Super. On a vite fait le tour du coup. Et bah c'est parti, donc Stas qui fait des boules. Et Bélial qui fait et des Bélial, boules aussi. Et Bélial, il a pas de race. Voilà. Ah ouais, gratuit. Perso... Alors autant je disais perso de merde sur ton perso juste avant. Ouais. Mais là, Bélial, c'est... Légitimement, voilà. Légitimement tu dis ça.
Bélial, c'est autre chose, c'est le niveau au-dessus. Hein. Ouais. Ah ouais. Non. Okay. Non, mais Sonic San, c'est différent parce que Sonic San, on l'aime. Oui, oui, bien sûr. Alors. Non, c'est moi qui ai un problème avec ça. Ceux qui ont joué à Final Fantasy XII pourront dire que Eustace ressemble beaucoup au perso de Final Fantasy XII. Bah, peut-être. Ouais, t'y as pas joué. Bah, moi j'ai des enfants, je peux plus jouer à des jeux. Ah, ouais, bah, c'est un peu ancien quand même maintenant. Ah, on joue. Ouais. En tout cas, il est stylé. Les deux sont stylés. Ah ouais. Proc. Tu vas les amener à la NASA. Alors, ma femme m'en a voulu pendant un petit moment, mais en fait, ils ont adoré regarder papa jouer à Sekiro. Je suis un peu violent. Alors, j'avais enlevé le sang quand même. Ça découpe des gens. Je ne suis pas un père indigne. C'est ça. Ouais, du coup, le stress, c'est convaincant. Convaincant, ça fait flipper. Saya, il connaît pas trop. Hein. Bah, je pense que personne connaît vraiment là. Hein. Oh, aïe aïe aïe, ah ouais, d'accord. Oh, oui, aïe aïe aïe, oh yeah. C'était à gauche. Eyo, eyo. Alors, ça sans connaître, je sentais que c'était pas très propre. Un petit coup en blogging tout dragon. Pas besoin d'avoir joué pour voir. Eyo, le clash. Ah, c'est pas punissable, ok, nice, nice. Ah, ça a l'air d'être une sacrée embrouille ce stomp. Bon, ben, c'est pas punissable ça, ça me... Peut-être, peut-être, peut-être. Il a joué le cross-up qui va amener sur des gros dégâts. Ah non, en tout cas, Nokizem. Un petit chimie ici. Et c'est passé en bloc. Zanka qui a bien gardé. Zanka qui déchoppe bien ici. Allez, Saiyan qui a été très bon main game shop. Hein. Allez, propre. Hein. Pour la mise en carte. Et d'ailleurs, Link, je pensais à un truc, mais. Uno, tu connais. Non le match-up. Zanka, tu devrais jouer André si t'arrives en. André en finale. Il connaît pas du tout. Petit André. Tu devrais jouer André. Ah. Ouais. Tu connais pas. Tu l'arnaques. Easy. Si tu gagnes, hein, mais bon. Après, moi, peu importe le match-up, je joue tout seul. C'est je fais mes trucs, après... C'est pas faux. Si t'as un dragon, c'est plus chiant. C'est plus chiant. Mais bon, on va pas enterrer tout de suite Saiyazian parce que... Il reprend son mec. Non, bien sûr. Saiyazian, il est énervé, là. Son personnage du cœur. Et maintenant, il va mettre des vrais trucs. Hein, il... Là, oui. Elle est dans le Kokoro, Catalina. Catalina Kokorodes. En bon japonais, que je ne suis pas. Pas encore. Bien sûr, bah c'est Road to Japan. Quand est-ce qu'on retourne au Japon? Quand est-ce qu'il n'y a plus de Covid? Ah, je sais pas. Moi non plus. Avant de retourner au Japon, je serais content de rien de retourner faire un petit majeur en Europe. Au Celtic? Non, je ne suis pas allé au Celtic. J'ai pris un nouveau job il n'y a pas longtemps. Ouais. Je crois encore d'ailleurs annoncer ça publiquement, c'est pour la fin. Ah. Et ouais, les vacances, les week-ends et tout ça, non, pendant un petit moment ça va être un peu compliqué. J'avoue. Est-ce qu'on peut dire que je suis un peu dans les confidences? Pardon? Est-ce qu'on peut dire que je suis un peu dans les confidences? T'es dans les confidences. Nice. Ah, on a un bon confident. J'aime bien. Bon, du coup, la Catalina, elle fait quoi? Est-ce qu'elle s'en sort un peu mieux? Ça a pas l'air. Putain, ça a l'air bizarre, hein, ce perso à gérer. Quand est-ce que ça s'arrête? Bah là, visiblement. Bon projectile ici. Après ça y est, il sait s'adapter. Ah, ça, par contre, ça passe ça, ça passe tellement. Ça passe pas. Ah, non. La punition elle est tout de suite là. Allez, un peu léger. Non, on peut pas punir ici. Dommage. Malheureusement. Et ça a l'air compliqué quand on connaît pas. Et balle de jeu pour la mise en cas. Tout droit venu de Paris. Ah, propre. Il y en a eu beaucoup de joueurs non lyonnais aujourd'hui. Hein. Ouais. Merci à tous d'être venus. Hein. Ça se voit que la France a la dalle. Hein. Ah ouais, ça se voit. Ouais. Et puis je pense que les gens savent qu'ici on est bien. On est pas mal. Hein. Il y a l'espace, il y a un bon nombre de setups. Bien que j'aurais bien fait quelques setups en plus, je pense que ces 80 joueurs aujourd'hui vont me permettre de,
Je vais faire passer 5 achats de PS4. Merci à eux. Au sein de l'assaut, je connais déjà quelques staffs qui vont me haïr, mais bon, on n'a rien sans rien. Merci à eux. Est-ce que vous allez commencer à vous fournir en PS5? C'est compliqué. Alors, les PS5, je regarde souvent. Ouais. Sur internet et je vois des manettes. Nice. À 600 euros. Voilà, 600 balles la manette. Easy peasy. Il y a quand même une lampe torche dedans. Ça... À mon avis, de ce qui se dit, les cartes graphiques commencent à descendre en termes de prix et être un peu plus disponibles. Donc je pense que les PS5 vont suivre, a priori. Ok. Voilà. Ah, et pendant ce temps qu'on. Zanka win. On parlait de composants. Il y a Zanka qui a terminé l'ami Sayazian. Et ben, je vais y aller. Et qui se retrouve donc en grande finale contre mon jumeau qui s'en va et qui va repasser le micro à un vrai commentateur, un homme de goût, un beau gosse en herbe, et qui est la dose beat by 38 Sayazian, le seul, l'unique. L'unique qui s'est fait bouler en stream. Un homme qui nous accompagne avec la dose en tant que staff et commentateur. Depuis combien d'années maintenant? T'es en 2014 ou t'étais là depuis 2013? Bien avant encore, ouais. 2013. Ouais, 2013. Ouais, excusez-moi, je suis un peu timide. Très timide. Très, très, très timide. Pas vrai, le valet? Arrête de rire. Arrête de rire. Bon, du coup, est-ce que Zanka va changer de perso? Est-ce qu'il va prendre un truc que potentiellement Link Excello ne connaît pas? Joue là-dessus, mec. Ouais, il connaît pas le match-up non plus. Ça va pas l'aider. Bon. Voilà, une couleur bien dégueulasse pour Link. Bien joué. Elle est très bien, cette couleur. Non, couleur Percy. C'est bien la couleur rouge, la couleur Percival, ça. Elle est trop bien. C'est son Indo, le rouge. Mm. Allez, grande finale de ce ranking sur Grand Blue Fantasy Versus. Et je vais me permettre de remercier Marvelous Game qui nous a fourni quelques jeux. Donc voilà, un grand merci, c'est sympathique à vous. On a pu mettre quelques posts grâce à Marvelous Game. Allez oui, grande finale. Est-ce que Zanka pourra remonter les losers? Ou bien est-ce que Link va gagner grâce à son Lancelot de 3 mois du jeu? Et ses points de charisme. Si Zanka il est bien concentré, je pense qu'il peut l'avoir. Il faut pas qu'il le laisse jouer son jeu. Ah bah après c'est Lancelot hein. Il faut pas que Lancelot pose son jeu sinon ça part dans tous les sens. Voilà. Là c'est bien là ce qu'il fait, il joue bien là. Un petit overhead pour finir peut-être s'il vous plaît. Un overhead. Oh bien joué, perfect, ça il a, perfect, il a voulu bouger. Yex ou Bossa Yo. Quand un deuxième, il te paye un café. Hein. C'est comme ça ici. C'est la règle à Lyon. Double P égale café. Ah ouais, ouais. C'est pas celle-là. Mais si, on a toujours fait ça. Ah oui, ça c'était beau ça, ce devant derrière. Faut bien esquiver ça, cette TP pour se sortir du coin. Pas qu'ils sont derrière, ça fait son début de pied. Avec le position du saut. Bah, mal que. Ça fait mal. Ah oui, encore une fois qu'on va tout arriver sur ce saut U. Parce que sinon, c'est lui qui a que le counter sur ce saut U. Oh, bien gardé ce dragon. Ça va faire mix up derrière. Hey, hey. Il est mix devant derrière. En haut, en bas. Ouais, ça... Oui, bien gardé, bien déchopé. Et dommage, après, je prends cette boule. Une boule mauvaise, pas très bien lancée par Zanka, du coup Link il en profite pour sauter dessus et qui le détruit. Un round partout dans ce premier match. Allez c'est parti, ça presse, ça ouvre la garde, ça pousse au coin. L'overhead qui passe, pas de maladie. Pressing, ah très bien ça, il arrive à se dégager. TP. Excello qui repousse au coin, l'overhead qui passe. C'est équilibré, ça se prend les coups.
malheureusement l'avancée à la vie du côté de Nicolo. Ça va être dur pour Zanka, il est toujours au point. Ça évite l'aspiratron. Ils se sont bien punis. Ça tue, ça tue, ça tue, ça tue, bien sûr, ça tue. 1-0 pour Link. 1-0 pour Link. Believe in victory. Battle 1. Engage. Allez, c'est reparti pour ce deuxième set, la seconde finale. Alors ça là c'est Zanka qui a pris l'avance, mais heureusement avec le saut qui a été puni par Link. Direct. Oh, le building pulse comme ça gratos, en garde. Enfin, c'est Arthur gagné, il retombe derrière pour mixer. Oh, il a plus tard là-dessus. Continuer dans le Lancelot. C'est à lui de jouer maintenant le buzzer. Oh là, Zanka qui a voulu punir ce saut un peu tôt. Et du coup, celui qui essaie de mettre dans le coin. Oh oui, bien trouvé ça, ce lot. Derrière la boule. Hey, hey. Oh, l'overdust après l'Erika en reset. Oh, dommage, il a pas puni cette shot poussée. C'est Zanka qui se place un bon bang sur Passayo. Il a fui et il fait punissable maintenant. Voilà, force de piffer, gros sac. Il a voulu tenter, il a perdu. Allez, ça, la dive est plus avant le bug, j'ai entendu. C'est un guess. Derrière, ouf, la boost, il est cassé par l'aspiratron. Donc, il en profite à Zanka qui peut maintenant rester dans le coin. Ubasayo, Ubasayo, dive, fini. Décalage Reka. Oh, ce saut H qui est bien trouvé aussi, on peut confirmer. Ah, dommage, j'ai pas pu faire autre chose pour nous qu'on fasse une mise à terre lourde. La Link maintenant qui rentre dedans. La balayette, on l'a entendu, pour pourquoi pas. Elle échoppe, Link devant, et là, voilà, là pour pas se faire embrouiller. La chope fait, et bam, un partout. C'est vrai qu'attention, hein, c'est vrai que. Égalisation. Belzé, il peut mettre Chopspé à la relevée. Je suis plus que Chopspé. Du coup, si vous faites un saut comme celui-là qui est pas bon, vous le prenez à coup sûr. Eh bien, ça serait qu'à trouver dans le coin. Il attend pas avec les boulies X. Bien trouvé ce 2M tout se passe au EX. Oh, le Ben N plus qui touche quand même, hein. Je sais pas ce que vous voulez faire Zanka là. Oui, dragon, pour pas prendre les embrouilles. Oh, balayette encore, la balle de Dicta. Bon, là, sur la Phoenix, ingardable. Encore une ouverture, c'est la fin. Voilà, la l'aventure est là. Ah, Likiso, il est présent, la Phoenix sont présents. Alors ouais, qu'il joue jamais, encore une fois. Bordel. C'est ça qui est bon, un mec qui joue pas. Bon après, grande boue fantasy versus, c'est le vélo. En termes d'exa, y'a rien de bien compliqué. Exactement. Pendant beaucoup d'exa, juste beaucoup de mind. Voilà, du mind, pour avoir gardé ce 2-2H chargé. Donc là, qu'il met rien derrière, il peut tenter de convoter. Regardez, il se barre. Ah, c'est pas puni, mais il a réussi à l'attraper. Puni. Bouliac, c'est punition de la balayette. Voilà. Oh, il a raison, Cyclic dans l'abus des balayettes. Allez, balle de match pour les deux. Est-ce qu'on a un reset de Zanka? Ou est-ce que Link Axelo va remporter ce ranking sur Grand Blue? Ah oui, la sauce bien arrêtée là. Dommage, il n'a pas pris avec ce Bastaio pour l'arrêter, la mise. Boule. C'est un courageux Tixelo dans le public. Et ça marche très bien parce qu'il a réussi à trouver une ouverture de garde. Sachant qu'il est mené à la vie. Oh, le dragon, on peut pas avoir les embrouilles sur ce beau ça. Et le cross-up trouvé, dommage, il a pas pu avoir un bon profil derrière. Yek, Subasayo. Oh, le counter est trouvé sur ce saut. Il est à terre. Ouf, juste devant, il a loupé. Dommage, et du coup Zanka qui en a profité pour mettre 2K. Le reset de braquette, Zanka qui est là. Hein.
Et comme dirait notre ami Papounet, mais oui madame. Oh non. Mais si. Un dédicace Papounet si tu nous entends. C'est sur le stream. Et du coup reset de braquette. Oh, le dragon qui casse cette attaque de mix-up, pas d'embrouille. Oh, bien joué, ça sort bien son bon meeting. Il a repris du poil de la ouais, bête. Ouais, ça y est, là il s'est mis concentré. Du coup, là, ça, Link, il a pu trouver le coin. Oh, bien match encore une fois, bien trouvé le counter. Oh, il s'est passé au Kratos, il peut pas finir, bien entendu. Il peut rien faire derrière. Oh, c'est Ratron, il a eu tenté là. La phase du 1. Les punitions. Instant. Ça va pas tuer, mais pour ah, le reste, c'est pas. Ah, ça tue pas, ouais. Oh oui, cette carte du dragon. Ah, ce reset n'a pas déconcentré Link, au contraire. Il nous sort des dingueries comme ça gratos. Regardez bien ça encore, ça, le jumpka il est à la fuite sur ses jump up. Bien le truc gagné, derrière il peut pas. Le dragon bien gardé. Et si vous pourrez un peu pas dragonner, Link en profite pour mettre Boulex, pour mixer. Oh le. Un gardable sur le Dolo. Tout va arrêter. Oh pourquoi dragon? C'est pas grave, c'est pas été puni, heureusement. Wow. Ça passe à travers ça. Oh non, ça passe pas à travers. Oh le devant, derrière, derrière. Le bouton garde. Tu veux garder mon ref, tu veux garder. Eh bien ça, ce frame trap au Reka. Un seul qui peut décaler Reka comme ça, oui, il peut faire des décalages Reka. Tu prends le counter hit quand c'est bien spacé. Quand c'est chargé, c'est pas été tenu, il a tenu un peu tard. C'est qu'il ne pas à cette charge. Oh là, il arrive un peu gaspillé. Peut-être t'aurais tenté de reprendre un. Le lance-shot. Hey de counter hit trouvé. Oh, encore ce hit trouvé, c'est bien vu. Vers 17. Oh, c'est en haut, bien gardé. Oh là, il va tenter un truc de dingue là, la ligne. Je sais pas si vous voulez tenter. Ce dragon. Waouh! Qu'est-ce qu'il est fort devant derrière? 1-1. Regarde, ce lourd! Oh là là, ça y est, Link qui déroule. On fire! Allez, Zanka! Zanka qui a fait une bonne paire tout à l'heure. Ta reset, tu peux gagner! Pas que tu saches savoir, Zanka, par rapport à ça. Mais Link, là, il est chaud là, ça y est, il est parti, il déroule. Oh là là, ça tombe derrière. Ouh, là, ouf, le dragon! Après, t'as mal fini, il a pas fait le blading pulse derrière. Il mettait avec Zanka. Oh oui, là. Encore une fois, vous avez trouvé. Ça en profite à Link. Ah, le double. Il a tenté de choper. Zanka qui barre du coin, il a raison parce que sinon ça va être dur pour lui. Qui se barre bien gardé. Oui, ce. Oh. Il avait bien trouvé justement ce H en l'air. C'était imbloquable vu qu'il avait pris la boule en l'air. Du coup, mise à terre. Dernier mix. Et. Le. Alors ça tue pas! Faire. Oh, il a dodge au mauvais moment, dommage. Et bien joué, Link Excello. Link Excello qui gagne ce ranking. Zanka qui n'aura pas démérité. On le félicite pour sa deuxième place. Et on te Zanka. Félicite, mon cher Sayazian, pour ta troisième place. Merci, hein. Merci, troisième place. Merci pour un mec qui joue plus au jeu aussi. Voilà, aussi. Bon, et sachant bah, écoutez, que, je crois que c'est la fin. La fin. Ouh, il le semble, il n'y hein, a plus rien après. Il n'y a plus rien non, derrière. Quelle heure là? À 19h28, ouais, on peut ah oui, faire un petit interview de Link Excello. Allez, viens donc, Link. Ok, ah oui, okay. Zanka aussi, bah, si tu veux, Zanka, allez. Zanka, viens donc. Mon cher. Venez viens donc. Nous parler de ton sel. Merde. Mets-toi là entre nous deux. Je sais pas si c'est très Covid-friendly, mais c'est pas très grave. Bon, c'est pas très Covid-friendly, mais on va faire. Zanka. Tu veux faire l'interview ou bah, c'est pas grave, bah, du alors, coup, là, c'est pas grave, dis-le à Zanka. Non, mais alors, au-delà voilà, du fait que tu n'as rien à dire, mon cher Zanka, c'est la première fois que tu viens à Lyon faire un ranking.
Alors déjà, la première chose qu'on pourrait faire, c'est pour tous les Parisiens qui nous écoutent, est-ce que tu leur conseilles de venir nous voir une fois dans l'année pour faire cette petite expérience du ranking? T'as trouvé ça comment? Franchement, les gars, si vous pouvez, venez, ils sont quand même méga cool, l'ambiance est méga cool, et ça donne envie de revenir, franchement. Dommage que tu pas à Lyon, après il y a deux choses à Paris, mais voilà. Renseignez-vous sur ce qu'il y a à Paris, le off c'est très bien, et ça commence à revenir, donc faites-le. Eh bien merci mon cher Zanka, pour ces jolis compléments. Voilà. Merci. Eh bien écoute, si tu veux ajouter autre chose sur ta deuxième place ou... Ça se voit que plus personne joue au jeu. Oui, ça se voit. Non, il y a encore des gens, c'est faux. On est 10. Allez sur le... On est 10 sur le Discord. Qui regarde le serveur Grand Blue France, il y a toujours des gens. Voilà. C'était pour la blague. Bien sûr. Vu que malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de gens. Il y a Stripe qui vient de sortir. C'est après, normal que... voilà. Oui, c'est normal, mais en plus, j'ai envie de dire, tu vois, là, on n'a pas beaucoup de monde, mais par exemple, à Paris, le 21 août, il y a un tournoi à Grand Blue et les places sont remplies vraiment en moins d'un jour. Donc bon, dire que le jeu est enterré... Il y a un tournoi à Paris le 21 août. Le 21 août et les places sont vraiment remplies en un jour. Il n'y a plus de tasse, c'est fini. Déjà fini. Donc franchement, dire qu'enterrer le jeu, c'est un peu n'importe quoi. De toute manière, comme je le dis souvent, il n'y a pas de jeu mort, il n'y a que des gens qui parlent mal. Voilà. Toujours. Des gens qui parlent mal. Tout simplement. Bon allez, on va passer à LinkXLO. Merci Zanka. Merci Zanka. GG pour ta deuxième place. Et LinkXLO, le jumeau. Les jumeaux. Oui, on applaudit, ouais. On applaudit Zanka pour sa deuxième place. Et le grand vainqueur, le plus beau, l'homme au point de charisme infini. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. T'écoutais pas? Non, mais t'écoutes vraiment pas. T'écoutes. Il est concentré, il joue. Très concentré sur son match. Mais c'est à ça qu'on reconnaît les véritables compétiteurs. Hein, ça et l'œil de lynx. Dis qu'il est pas sûr. Il y a des chances quand même. Bon, alors, on sait que tu joues plus au jeu. On sait que c'est un peu compliqué pour toi de t'investir autant sur différents types de jeux. On a Strive qui est sorti potentiellement. Tu vas peut-être essayer de monter un ou deux persos, peut-être pour le fun, peut-être pas pour la compétition pure et dure. Et on sait que tu t'investis toujours énormément sur Street 5. Ouais, Ou c'est à peu près ça? C'est exactement ça. Street 5, il y a des échéances, on va dire, tout le temps. Et du coup, je suis obligé d'essayer de garder un bon niveau. Et puis franchement, Street 5, c'est le jeu du moment que j'aime le plus jouer. Vraiment, je le trouve vraiment bien, surtout sur cette saison. Donc je prends beaucoup de plaisir à jouer à Street 5 et j'ai pas forcément l'envie de m'investir autre part. Ouais, je comprends bien. Et c'est vrai que tous les joueurs de Street 5 le disent, mais c'est vraiment un jeu qui s'est bonifié avec le temps. Ouais, de ouf. Et on est sur une dernière saison qui est très 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 bonne. Et on peut applaudir Capcom, parce que même en termes de com, au-delà du fait qu'ils ont bien amélioré le jeu et qu'on a un véritable produit fini, ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont changé les choses. Et ça se voit. C'est bon augure pour Street 6. Bon augure pour Street 6 quand même. Tout à fait, tout à fait. On est bien d'accord. Et si jamais demain il y avait un bon projet compétitif avec de l'enjeu sur Strive, est-ce que toi tu penses que tu pousserais un petit peu quand même histoire de dire bon j'essaye? Ouais. Ou c'est vraiment hors de question? Alors s'il n'y avait pas Street 5, évidemment que oui. Là dans le contexte actuel, je pense que j'ai trop de retard. Honnêtement, par rapport aux joueurs de Guilty, pardon. Guilty Gear Strive, ça a été beaucoup critiqué par les joueurs de Guilty en disant que c'était pas un Guilty Gear, mais en fait, c'est vraiment un Guilty Gear. Et c'est dur quand tu viens de Street de jouer à Guilty Gear aujourd'hui. C'est très différent de ce que j'aime taffer dans un jeu de versus. C'est beaucoup de set play ou des choses comme ça. Et j'ai beaucoup de mal avec ça, donc même s'il y avait une grosse compétition dessus, j'aurais du mal. C'est pas dit que tu t'investisses plus que ça. Ouais, voilà, c'est pas ça. Forcément le type de jeu qui te plaît. Tu t'amuses bien avec les copains, tu vas bosser un perso, mais on n'ira pas au-delà. Ouais, c'est ça. Tiens, je comprends bien. Mmh. Eh bien écoute, mon cher LinkXLO, merci pour tout. Merci d'avoir fait le voyage depuis ta ville, depuis Clermont, comme à chaque ranking. Hein, c'est ça. Un grand fidèle des événements lyonnais. Et puis j'espère qu'on te retrouvera... fin juillet pour le prochain. Bien sûr, on est là. Allez. Eh bien, au revoir tout le monde. Tchuss, merci encore pour ces bons moments, hein, pour la bagarre, pour le offline. On en avait tous besoin, je pense. Ouais. Et on se retrouve fin juillet. Et puis pour les Lyonnais, tous les mardis, pour le mardi c'est Tougeki, même adresse,
18h, 22h. Des zouzous. Ciao tout le monde. Bye bye.